Le jour se levait, la campagne était magnifique, quand soudain je poussai un cri, un hurlement de bête. Mon fusil! Mon fusil! Mon fusil! Je ne sortirai jamais! Mon fusil! Léon! Léon! On m'a volé mon fusil! Non, je te jure! Où ça? Tiens! Il était là. Je suis foutu, je m'en sortirai jamais. Calme-toi, on va le retrouver. Léon, je t'en supplie, assomme-moi. T'es dingue? Au moins que je puisse faire croire que j'ai été attaqué. Je t'en supplie, assomme-moi. T'es dingue, je peux pas faire ça. Vas-y. Mais t'as compris, c'est pas encore, mais... Vas-y, vas-y. Non, pas le... Vas-y. Allez. Comme autre distraction, nous avions l'aspirant Toupet. C'était un appelé comme nous, mais son galon lui avait tourné la tête. Et au lieu de nous soulager, nous, dans l'exil, il se soulageait, lui, dans son sadisme, en nous faisant faire du maniement d'armes en plein soleil. Immanquablement, j'étais de chaque exercice, ainsi que mon ami Kukierman. Vous ! Arme sur l'épaule ! Droite ! Présentez ! Arme ! Dites donc, Kukerman, vous fatiguerez, levez le coude. Mettez-moi à genoux. Poussez ce caillou avec votre niche cocactus. Ça vous apprendra à lever le coude. Vous refusez? Oui. Vous vous rappellerez de moi. Et comment? Nous ne sommes pas prêts de t'oublier. Heureusement, nous nous plaisions beaucoup plus en la compagnie des Marocains. Notre mission de pacification est terminée. Dans deux jours, nous aurons quitté ce fort. Vous devrez laisser l'endroit propre, reboucher les tinettes et être fiers d'aller en zone opérationnelle. Nous passions de la pacification à la répression, c'est la voie normale. Les rebelles s'étaient retranchés dans le Rif. Avec moi, ils pouvaient dormir tranquilles.